Mais rapide, dans cette vidéo, on va faire gagner le tout nouveau fruit qui vient de sortir de la mise à jour Blox Fruit, les gars. Je parle du fruit de Uta, la fille de Chunks, le fruit du son, les gars, qui est juste là, dans mon inventaire. Alors attendez. Voilà, les gars, on va faire gagner ce fruit. Donc pour ça, comme vous pouvez le voir à droite, on a sélectionné quelques abonnés fidèles, presque des amis pour la plupart. Et ils vont essayer, les gars, au travers de multiples mini-challenges, des petits challenges, de se départager pour avoir une victoire et pour gagner le nouveau fruit, les gars, qui vient de sortir, je le rappelle. Donc tout de suite, comment ça va se passer? Je vais restore le fruit, les gars. Je suis en vocal avec eux dans Discord actuellement. Ils vont pouvoir m'entendre, mais vous ne les entendrez pas. Et c'est parti, on va aller rejoindre tout le monde du coup, les gars. Regardez le flow, les gars. Oh là 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 là, le flow de Zinzin. Ça, c'est que des pros de Blox Fruit, les gars. Bon, la première chose, les gars, donc je vais aller vite fait. À partir de maintenant, ils vont m'entendre dans le Discord. Ok, donc les gars, ça va se passer de la manière suivante. Je vais faire à chaque fois des petits challenges et à chaque fois on essayera d'éliminer une personne. Parfois il y en aura deux qui seront éliminés. Le premier challenge, c'est très très simple. Vous allez tous devoir répondre à une question dans le chat Blox Fruit, les refs. Et celui qui répond en dernier sera éliminé et pourra quitter le serveur, ou du moins quitter café en tout cas, pour laisser place aux autres. Est-ce que vous avez tous compris? Si vous avez tous compris, écrivez oui. Ouais. Préparez-vous à écrire, échauffez vos doigts, les refs. La question est simple, je vous le promets, tout le monde aura la réponse. Là, ça va être juste de la rapidité. Je ne veux pas de faute d'orthographe et il faut qu'il y ait une majuscule à la première lettre. On fait les choses bien, ok? À qui appartient ce fruit dans One Piece? Ok. Oh, c'est le chat jaune qui a perdu. Perdu mon ref, le chat jaune t'a perdu mon ref, je suis désolé pour toi. Ok, il est sur tel biscuit. Oh merde, oh, c'est dur pour toi. Pour la prochaine étape, donc là on a perdu le chat jaune, les ratpi, vous avez éliminé le chat jaune, félicitations à vous tous, vous avez éliminé un grand ratpi. La prochaine étape va commencer, et qui n'est pas des moindres, ça va rappeler des souvenirs à certains, les gars. Je vais vous demander de vous mettre en ligne, on va faire un petit jacadi. Donc un petit jacadi, les gars, on va commencer très simple, jacadi, sauter. Voilà, tout le monde a sauté, sauter encore une fois, voilà, ok. Donc la partie commence vraiment maintenant, concentrez-vous les ratpi. Jacadi, sortez votre arme, ok, rentrez votre arme, ok, ils sont chauds, jacadi, sautez deux fois. Ok, c'est validé. Jacques a dit, rentrez votre arme. Jacques a dit, désactivez votre haki. Ok. Putain, ils sont chauds, ils sont concentrés là pour l'instant. Je rappelle que le fruit sonde est à la clé, les gars. Likez cette vidéo, les gars, si vous aussi vous voulez participer à genre d'event. Tout se passe dans le Discord qui est dans la description. Et nous, on continue. Jacques a dit, regardez tous dans cette direction. Maintenant, regardez dans celle-là. Zadixen, éliminé. On t'a vu. On t'a vu, Zadix. Allez, dehors. Et bah, comme ça, tu pourras aller faire les miniatures. Ok, allez, let's go. Attal, merci, Zadix. Je vais aller dans mon inventaire. Je vais cliquer sur un fruit au hasard. Et vous allez avoir autant d'essais que vous voulez pour trouver le fruit. D'accord? Vous marquez juste dans le chat. Le fruit, c'est ça. Ok? On va le faire. Dès que vous le trouvez, vous êtes qualifié pour ce challenge. Donc, vous reculez de 2-3 pas. Et on enchaîne jusqu'à temps qu'il y ait une finale entre les deux. Donc, je suis dans mon inventaire actuellement. Personne le voit à part vous et moi, les gars. Les petits rats de pique qui sont devant moi ne voient rien du tout. Je clique sur un fruit au hasard maintenant. Vous avez essayé à volonté. C'est parti. Ok, Drogby, tu peux reculer. On recommence, les gars. C'est fini. 3, 2, 1, c'est parti. Non, toujours pas, les gars. Il est toujours pas sorti. Non, non, toujours pas. Ok, il secoue. C'est bon. Il secoue, tu peux reculer. On enchaîne, les gars. Mais cette fois-ci, on va compliquer. Ça va être une arme. Et je vais cliquer sur une épée dans 3, 2, 1. Et c'est parti. Vous pouvez faire défiler. Non, non. Ok, Koza, c'est bon. Koza, crevette, t'as trouvé. Tu peux reculer. Ok, il nous reste 3 participants, les refs. Hein? T'étais pas là, toi, avant. Ok, on va dire que c'est la finale. Drogby, est-ce que tu es là, Drogby? C'est toi le premier qui a été qualifié. Tu peux partir loin, mais tu dois rester sur Dressrosa. Vas-y, pars, et enlève la ligue tout le monde. Le premier de vous deux qui aura le kill, Drogby, donc tu seras l'arbitre, sera qualifié, les gars, et ne sera pas éliminé de cette vidéo. Dans 3, 2, 1, allez, les gars, vous pouvez aller chercher Drogby. C'est parti. Ouah, NCT, il a pas rigolé. Il est déjà si loin, NCT, les gars. Je rappelle que Drogby est censé être resté sur Dressrosa. Nous, on va suivre les joueurs, les gars. On va les suivre. Oh, il est juste là, il est juste là, il est juste là. Ça y est, le combat, il a commencé, les gars. Le combat a commencé. Ouah, c'est un combat dans les airs de Zinzin. Ça se passe juste là, là, regardez. Je rappelle que Drogby, tu ne peux pas attaquer, tu peux que fuir. Tu ne peux que fuir, Drogby. NCT est juste là. On a Sadou qui galère à monter dans le ciel. C'est un combat aérien de Zinzin. Ça y est, Sadou qui rejoint. Ok, il est juste là, il est en train de fuir. Et on va compliquer un petit peu la chose. À partir de maintenant, le combat aérien est interdit. Tout le monde doit tomber. Ok, NCT qui est en train de courir après Drogby. Hop, ça se passe juste là. Ok, j'ai pris des dégâts, faut pas que je meure. J'ai le frisson dans la poche. On va le store d'ailleurs, au cas où on va pas jouer au con. Hop là. Ok, Drogby qui résiste, hein. Drogby qui résiste vraiment pas mal. Là, je pense que c'est la fin. NCT s'est dangereusement rapproché de Drogby. Ça y est, NCT a eu le kill. Ok, GG NCT. C'est NCT qui l'emporte. Et du coup, Sad qui s'en va. Sadou, je sais que t'as pas de micro. Est-ce que t'as un petit mot à dire pour la vidéo, pour ton élimination? Les hashtags, ça veut dire ce qu'il lui a, les gars. Ça veut dire ce qu'il lui a. Voilà, les gars, abonnez-vous. On entre
train de rusher les 10 000 abonnés là, on vient de péter les 6 000 les gars, donc let's go. Et les gars, c'est pas encore terminé, il nous reste 4 participants pour le Free Song. Et pour cette étape les gars, on va poser une question par rapport à One Piece. Et comme tout à l'heure, faudra répondre le plus rapidement possible dans le chat. Vous êtes prêts? Ma question est la suivante. Non, je regarde pas. Ah ok, eh ben on change. Quel est mon nombre d'abonnés exact sur YouTube? Le premier qui le dit a gagné. 6 000, non, 5 000, 4, 6, non, 6 500, non. Là je pense que NCT est parti voir en rapide. 6.6, ok, c'est bien 6.06, mais le nombre exact s'il vous plaît. On va valider parce qu'il y a l'hashtag. NCT, tu peux reculer d'un pas, on va dire que t'es validé. Question suivante. Attention, question sur Bloxfruit les gars. Quel est le nom du premier sort de Light V2? Donc la réponse les gars est juste là où il y a ma souris pour ceux qui le savent pas. Oh Isoku, il a pas hésité une seconde, il a mangé direct. Il a mangé direct. 10 000 euros, Isoku, c'est bon, tu peux reculer. C'est validé. La finale. On va démute NCT. On va démute NCT. NCT, tu vas choisir une personne entre Koza et Drogby. Moi je suis actuellement en train de montrer à la caméra que la destinée entre guillemets de la personne que tu vas choisir. Ok? Comme ça, il n'y a pas de t'as changé au dernier moment ou quoi. Donc NCT, on t'entend dans la vidéo. Dis un nom et cette personne, si mon pouce est en l'air actuellement, sera qualifié. Et si mon pouce est en bas actuellement, sera éliminé. À toi de choisir. NCT? NCT. Tu prends Koza? Ok. Eh bien, Koza, tu es éliminé, mon ami. Drogby, tu peux reculer. Koza, un petit mot. Je rappelle que ton pote t'a éliminé sans scrupule. Il y aura des règlements de compte à la fin de la vidéo, je pense. Alors, il reste du coup Isoku, NCT et Drogby. Les refs, pour celle-ci, ça va se passer d'une manière très très simple. Vous allez devoir vous mettre tous les deux d'accord. Vous êtes trois. Deux personnes d'entre vous vont devoir se mettre d'accord sur un nom que vous allez éliminer, les gars. C'est horrible, on est dans Squid Game, c'est comme ça. C'est bon, vous avez décidé. Je vais vous demander de tous écrire le nom de la personne que vous voulez éliminer, s'il vous plaît. Et cette sentence sera irrévocable. Drogby, ok. Et Drogby, Drogby. Drogby, je te laisse. Je te laisse rejoindre la table des bannis avec tous les autres. Et on va pouvoir procéder à la finale, les gars. Je suis avec les deux finalistes, les gars. NCT à ma droite, Isoku à ma gauche. Vous avez vu que dans cette vidéo, certains ont dû voter pour leurs amis, leurs frères d'armes, les camarades même de la piraterie. Certains ont farmé des heures ensemble, d'autres ont combattu ensemble. Et pourtant, ils ont voté l'un contre l'autre parfois. L'impensable est arrivé. Mais c'est pour cela que la vengeance des bannis va avoir lieu. Les bannis, s'il vous plaît, levez-vous. Levez-vous de votre chaise, les bannis, s'il vous plaît. Les qualifiés, vous pouvez commencer à courir. Les bannis, dans 10 secondes, vous pourrez choisir la cible que vous voulez éliminer. Oh, 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 oh. Attendez, non, faut rester sur Dressrosa. Faut rester sur Dressrosa. C'était ma TP direct. Il avait pris Portal. Je promets que le survivant sera le gagnant du sound, les gars. Dans 10 secondes, les bannis, vous pourrez chasser le joueur que vous souhaitez. 3, 2, 1, 0. C'est parti, les gars. La chasse est ouverte. Donc, nous, on va attendre sagement ici. On va faire notre petite promotion, les gars. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dehors? Ils sont tous en train de chasser leurs joueurs. Ah, Isoku est mort. J'ai pas vu Isoku respawn par contre. Non? Ok, 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 ok. En attendant, les gars, je compte sur vous pour liker cette vidéo, la commenter, les refs. Je compte sur vous vraiment. Abonnez-vous à la chaîne, rejoignez le Discord qui est en bio pour participer à ce genre de vidéos. Il y a des giveaways, des events, vous allez rencontrer des gens qui sont merveilleux, qui vont pouvoir vous aider à farm. Vous allez pouvoir aussi aider les débutants pour ceux qui ont envie d'aider, qui ressentent ce besoin. Vous êtes des braves, les gens comme ça. Et on va compliquer un petit peu la chose parce que là, je vois le chat. Peut-être que vous aussi, les gars, le fly est interdit. Et à partir de là, ça va aller très vite, les gars. On voit NCT là-bas qui se fait suivre par Sadouk, ZXN, le chat, je crois. Ah non, le chat, il est juste là. Illusion d'optique. Isoku là-bas qui se fait suivre par le chat jaune. NCT qui continue de vivre. Oh, Isoku qui prend cher, je crois. Oh là, NCT qui s'est enfermé, les gars, sur les deux teams de chasseurs. C'est n'importe quoi. Isoku qui est mid-life. Oh, il vient de se faire attraper. Oula, Isoku qui perd beaucoup de vie là, les gars. Il est très très low. Maintenant, vous avez pour obligation de vous défendre. Vous devez rentrer dans le fight, même si c'est du 1v4. Fini? NCT est mort? Ok, bien wesh. Ok, les gars, merci à tous déjà d'avoir participé à cette vidéo. Évidemment, je vais appeler Isoku. Est-ce que tu peux monter sur le podium à côté de moi, s'il te plaît? Félicitations, Isoku. Tu as gagné du coup le free sound. On va aller sur le trade direct. Hop, le sound. Gros merci à le chat jaune qui a fourni les fruits du démon, les gars. Hop, 1 700 000. Faut que tu me fasses une petite ad. Parfait. Ok, ça y est, c'est fait, les gars. Le free sound a été gagné. J'espère que cette vidéo vous a plu, les ratpi. On se retrouve très bientôt. Ah, attendez, et Soku, tu vas le manger ou pas? Ou tu le gardes? C'est bon! Un nouveau sound user est né, les gars. J'espère que cette vidéo vous a plu, les ratpi. On se retrouve très bientôt. C'était ce qu'il y a. Ciao!